que les forces battent, les lièvres ont intérêt à se chercher. Ne donne jamais de la viande à ton chien, même si tu es rassasié, car un jour, il risque de confondre ton pied à la patte du bœuf. Le caméléon a dit, la terre est dure, très dure, mais pourtant, je vais te placer sur la table d'abord. Dimolo, 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 dimolo. Lorsque tu ramasses du bois mort avec les termites, ne sois pas surpris d'avoir la visite des marmouillards et des lézards. C'est quand le vent souffle qu'on voit l'anus de la poule. Mais ça dépend de la position de la poule face au vent. Mon frère, si tu as envie d'uriner, urine comme tu veux. Si tu as envie d'éjaculer, éjacule comme tu veux. Mais on n'urine pas à l'éjaculant. Eh, oh, bleu de l'aura! Eh, oh, bleu de l'aura! Eh, oh, bleu de l'aura! L'homme disait que c'est la femme qui est stérile.
La femme aussi disait que c'était l'homme. Alors, chacun se jetait le tort. Une nuit, le père avait eu une idée géniale, celle d'aller consulter le grand féticheur du village. Ce féticheur qui est capable de transformer le ciel à la terre au ciel, les étoiles au soleil et le soleil aux étoiles. Après la consultation du féticheur, il dit ça au couple. Oh, ça, c'est un petit problème chez moi. Je peux vous donner un enfant, mais à vous de choisir le sexe de l'enfant. Oh, c'était devenu un problème. Hey! Qui va ressembler à son père et à son grand-père? Un homme qui peut devenir un joueur des baillons, même fort, une femme. À quoi ça va me servir? Côté clair, qui va ressembler à sa maman. Qui peut m'aider à aller à la source chercher de l'eau? Qui peut m'aider dans mes travaux ménagères? C'était devenu un problème. Le féticheur, étant très rusé, a quand même fait la cérémonie, mais il ne s'est pas prononcé sur le sexe de l'enfant. Oh! Quelques mois plus tard, la femme commença à pousser le ventre. Oh, le premier coup de l'écart de quoi pour celui-là. Elle est tombée enceinte. Et la dame là, oh, elle va enfanter. Mais quel cesse? Le cesse de l'enfant pose toujours problème dans le village. Pour certains, oh, l'enfant n'aura même pas de sexe. Pour d'autres, ça ne peut qu'être un homme. Parce que le père, étant très courageux, ne peut qu'enfanter un homme. Pour certains, non, c'est lui. C'était devenu un problème dans le village. Dites-moi, quel pourrait être le sexe d'un enfant si ce n'est ni masculin ni féminin? Dans nos répertoires, nous avons des histoires qui passent par les couloirs, traversent les trottoirs, que nous racontons les soirs. Adoro, amor, escuro.
Dieu n'oubliait pas encore dans le ciel. Et quand le monde se résumait à un petit village, dans ce village, il arrivait des moments où le soleil brillait pendant la nuit, la lune pendant le jour, les hommes se mariaient aux animaux, les oiseaux épousaient les arbres, la chèvre et le chien étaient des mariés. Dans ce village, vivait un jeune paysan appelé Omar et sa famille. Tout le monde vivait heureux. Les jours passaient, les semaines passaient, les mois passaient, et voici arrivé cette année où il n'avait plus rien à manger. Alors, Tolo! Omar n'était pas content, mais que faire contre le roi?
Uri hara. Hara uri. Quand je dis uri hara, vous me répondez hara uri. Uri hara. Hara uri. Uri hara. Hara uri. Le lendemain matin, le jeune prit de nouveau son coupe et se dirigea vers la brousse, toujours pour aller chercher des racines. Passant tout près du même buisson, là où il avait fait sortir la calebasse, il entendit de nouveau une voix qui l'appelait. Mais cette fois-ci, c'était une voix rude et méchante. Voilà. Alors, le jeune s'arrêta, se tourna, chercha et vit au milieu du buisson une grosse pierre toute ronde et luisante comme une boule d'argent. Oh, la belle pierre, dit Oumar, aussitôt prononcé ce mot, que prend, il reçut un coup sur la tête. La pierre sauta hors du buisson et lui donna un coup sur la tête. Tu apprendras que mon nom est Gros Caillou et non Pierre, et je punis tous ceux qui m'appellent Pierre. Oumar se frotta la tête qu'il faisait mal, mais il eut une idée. Il apporta la pierre dans le palais du roi. Quand le roi le vit venir, il lui demandait, mais Oumar, tu tiens toujours que je te remette ta calebasse? Je ne te la remettrai pas. Regarde ce qu'elle m'a déjà donné. Le palais était rempli d'or, d'argent, de diamants, de tout ce qu'il y a de plus beau sur cette terre. Mais Oumar répondit, non, chef, je suis venu t'apporter quelque chose de plus étonnant encore. Alors fais voir, dit le roi. Ce n'est qu'une pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pan! Le roi reçut un coup sur la tête. Ah, mais quelle est cette pierre? Pas un coup sur le menton. Allez, faites-moi sortir cette pierre. Pas un coup sur le nez. Alors, les gardes accoururent avec leur sagaie. Quand ils virent la pierre sauter toute seule, ils se mettaient à crier. Mais quelle est cette pierre? Une pierre qui saute toute seule? La pierre devint furieuse. Pas sur le menton, pas sur les jambes, pas sur les nez, pas sur les pénis, pas sur les joues, pas partout, pas. Des coups sur la tête, des coups sur les dents, sur les manteaux, sur les La pierre fit tant et tant de mal qu'il ne restait plus personne pour empêcher Oumar de partir avec sa calebasse. Alors, Oumar prit sa calebasse et quitta le village avec toute sa famille, car la colère d'un roi est aussi dangereuse que la faim. Dans nos répertoires, nous avons des histoires qui passent par les couloirs, traversent les trottoirs, que nous racontons les soirs. Il était une fois dans un village un chasseur si adroit qu'il ne rentrait jamais bredouille. Sa réputation devenue légendaire dépassait de très loin les bornes de son village. Hara oui, oui Hara. Il se met de panique parmi les bêtes sauvages de la grande savane. Celles-ci décidaient un jour d'en finir avec leur ennemi le plus redoutable. C'est ainsi qu'une riposte se transforma en une fille. En une fille admirable, captivante, souriante, séduisante. Après avoir refusé la main à plusieurs jeunes gens, elle décida d'épouser le jeune chasseur. Uri hara, hara, uri hara, hara. Ils vécurent heureux pendant de longs mois. Un jour, la femme demanda à son mari de lui livrer ses secrets de chasse. L'homme ne retint pas sa langue. Il dévoila les uns après les autres tous ses secrets. Cependant, il fut interrompu avant le dernier par sa mère. En effet, la jeune épouse, sans donner de raison valable, demanda à son mari de tuer son chien. Je dis bien, son meilleur ami et compagnon de chasse. Ce qu'il fut faire. C'est alors qu'elle lui demanda de venir avec elle faire la connaissance de ses parents. Après un bon parcours, la jeune femme s'excusa pour une minute et disparut dans la forêt. Femme! Aussitôt, une buffle se jeta sur le chasseur. Il lui vaut tantôt se transformer à tout terre. Tantôt à monter des couilles. Tantôt à catarra. Tantôt à catarra. À guitare. À guitare. La buffle le reconnaissait et l'attaquait de plus belle, car elle connaissait ses divers secrets. Transformant à une petite épingle, secret dont
Lucie n'avait pas pu parler à sa femme. La biflon ne savait plus quoi faire. Regarda honteusement les regards. L'homme retourne chez lui à la maison et promit de n'avoir de savoir que sa langue devant tout le monde. Que deviens mon âme devant les gens. 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 Que deviens mon âme devant vos copines. Que deviens mon âme devant vos copains. Que deviens mon âme devant vos copines. Que deviens mon âme. Thank you.